On les a fusillés tous. Même la plus petite. La plus petite qui avait peut-être 6-5 ans. C'était le porte-parole des marginalisés. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait été sur la liste des premières personnes à être éliminées. S'il y avait eu ne fût-ce que 4 ou 5 personnes comme lui, le drame que nous avons connu n'aurait pas eu lieu et le monde aurait changé. C'était un homme très fier, très, très hautain, même à un moment donné. On savait bien que c'était une personne qui aimait les belles femmes. Il y a eu les tromperies, des relations extra-conjugales. Il y a même eu un enfant en dehors du mariage. Elle a beaucoup souffert, mais sa souffrance a été une offrande qui lui a valu la conversion de son mari. De ma vie, je crois que j'ai rarement vu un couple aussi intime, aussi avec une connivence, sans parole. Des gens qui font un mariage de raison finalement et qui finissent leur vie dans un mariage d'amour. Et il y a quelque chose de très surprenant. La vie conjugale est un chemin de sainteté de deux personnes. Ce couple, c'était, je peux dire, un sanctuaire de l'amour de Dieu.